J'ai mis le schlag. Ah oui, alors, on y va, c'est l'heure. Bah oui, c'est un peu ça. Eh les gars, c'est incroyable. Paris, tous les soirs, après 22h, c'est le bordel. On dirait Starmania. Quand on arrive en ville, ça crie, il y a du feu, des keufs à moto, surarmés, les chevaliers de l'apocalypse. Moi, ce que j'aime par-dessus tout dans ces violences policières, c'est qu'il y a enfin une forme d'égalité. La matraque, elle fait pas de distinction de couleur, niveau social, binaire, non-binaire. Elle nique tout le monde. Si t'es dans la rue après 22h pour les keufs, t'es une menace pour la République! C'est vrai qu'ils ont la main lourde hein, sur le tonfa, mais aussi sur la lacrymo. Mais doucement, les gars, ça pique cette connerie. Pour eux, c'est pas du gaz. Tu sais, ils vaporisent ça comme du Febreze. Oula! Ben, ça sent le gauchiste par ici! J'ai aussi remarqué, il y a certains keufs, tu sais, dans la violence, dans la hagra, ils mettent du cœur à l'ouvrage. Mais à ce rythme-là, je sais pas s'ils vont tenir jusqu'à 64 ans. Wouh! Vanne trimestrielle! T'as assez cotisé, Navarre? Ils vont arriver dans les manifs déambulateurs, béquilles. On se disperse les factieux sur ordre de Maurice Papon. Bah, ils connaissent leur classique. Perso, je vais pas dans les manifs, c'est pas trop mon délire. Mais j'ai vu l'intervention de Macron aux 13h. Du coup, j'ai préparé une banderole. Non mais ce mec, quelle arrogance, quelle insolence. Le dialogue social avec lui, c'est plutôt simple. Oui, oui, bien sûr, j'entends la souffrance des Français. C'est juste que je m'en bats clairement les couilles. Hey, c'est moi le président, tu vas faire quoi? Suffrage universel, sa mère, monarchie de droit divin. Mais enfin, monsieur Macron, calmez-vous, vous n'êtes pas Louis XIV. Ouais, nique ta mère, t'es viré toi aussi. Retraite à 80 piges, tu vas faire quoi? T'entends Philippe Martinez? Je t'attends en un contre un. Macron, c'est une authentique Kaira. Je suis à deux doigts de regretter Sarko. Ouais, casse-toi, pauvre con. Voilà. Mais c'est ça qu'on veut. Au moins, il y avait un dialogue. Touche-moi pas, tu me salis. Casse-toi, pauvre con. Tu sais, il y a un échange qui s'opère. Non, mais sérieux. Le gouvernement, ils ont plus d'arguments. Alors, ils essaient de nous prendre par les sentiments. Macron a dit, oui, mais si on fait pas cette réforme, c'est nos enfants qui vont payer. C'est ça que vous voulez, que nos enfants payent? Bah ouais, c'est exactement mon objectif, Andouille. Ce serait la moindre des choses, vu le fric de dingue qu'il nous coûte. Poussette yo-yo, siège auto, couche bio. Je répète, des couches bio. Putain, mais fous-lui un sac plastique dans le falzard et m'emmerde pas. En tout cas, ça commence à me saouler ces débats sur la réforme des retraites, 62 ans, 64 ans, qui dit mieux? Vivement l'été pour qu'on parle des vrais sujets qui passionnent les Français. J'ai nommé le burkini. Ah oui. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jamil Le Schlag. Merci.